Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Yonkadi, Toupoussessé, Kourou, Mandingue. La Guinée dans toute sa diversité. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Des déceptions dans les relations et n'arrive pas à avouer. Aïe! Mouna Mayorou, Indangyan Fama, Temedi, Ali Mouna la Banano. Una manhã rumi e daí um fama diri ali mudará banano. Una manhã, una manhã, una manhã, una manhã, una manhã, una manhã. E ela vai a onde? E ela mona manhã ruibé. Onda na no tema, Unguruma, Biringu na fangue. Onda na no rima, Inna cima, Vera cima. Toto fará. Thank you.
dans ton amour. Mais aujourd'hui, je me sens méprisé. Avant, je me sentais bien-aimé, bien-aimé dans ton amour. Mais aujourd'hui, je me sens méprisé. TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Mesdames et messieurs, c'était Ali Sanson du groupe Les Espoirs de Corentie pour cette belle introduction musicale accompagnée par le groupe Standard Junior de Kader Sila. Ça fait plaisir de t'avoir ce Merci. Soir sur Espace TV. Merci Salim. Ça fait Merci. Un petit bail. Hein. Ouais, ça donc fait Corona a fait que cette distanciation. on ne se salue ouais. pas. Voilà, Merci. Mais bon, même si on pouvait porter des barrettes ou pas, mais c'est pas grave, ça va. Ali, ça va? Ça va. Tranquille? Oui. Alhamdulillah. En forme? Ça va. Alors, musicalement aujourd'hui, comment se porte Ali Sanson? On sait qu'il y a coronavirus, il y a Covid aujourd'hui dans le monde. Pas de spectacle et tout, mais musicalement, comment Ali Sanson se porte aujourd'hui? Et voilà, c'est un grand congé, mm-hmm. et puis voilà, donc... Ah, carrément congé. Ouais, parce que ça fait 2 ans, là. Ouais. Il n'y a pas d'activité culturelle, on est un peu menacé par Covid. Par COVID. Ouais. Et du coup, donc nous aussi, on s'est mis à l'abri pour okay. mieux travailler. D'accord. Parce qu'il faut que l'ouverture nous trouve qu'il y a beaucoup de singles en route et puis okay. que ça trouve qu'on est vraiment en pleine forme. D'accord. Récemment, il y a eu des chansons comme Womu Magaruma, après il y a eu Sentiment, après il y a eu Amina Yarabi et tout. Donc ça veut dire que ça travaille dans les coulisses. Voilà. Alors ces différents singles-là, est-ce qu'ils vont constituer le prochain album d'Ali Sanson ou bien ce sont des singles en l'air pour satisfaire le besoin des fans et l'album se prépare autrement? Oui, ça fait un peu de tout, mais c'est des singles qui vont être dans mon deuxième album parce mm-hmm. que les jours d'aujourd'hui, je travaille avec Gaï Music Group. D'accord.
et du coup qui m'ont beaucoup soutenu aussi, mm-hmm. qui me protègent mes œuvres, tu vois. Mm-hmm. Donc du coup, l'album est en cours. D'accord. Mais d'abord, on les considère comme des singles. Des singles, ok. Tu vois, pour émerveiller les mélomanes guinéens et d'accord. africains internationaux. Quoi. Donc, comme pour dire que bon, Kamena au moment, prenez ça comme le moment. On arrive. Voilà. Hein. Le tout est chapeauté par le jeune Biro, qui est talentueux, qui chapeaute tout ça. Oui. Alors, aujourd'hui, on a parlé de ce single-là. C'est vrai que quand il y a eu ce single, par exemple, Oumu Magaroma, oui. C'était parti sur une note musicale très, très satisfaisante. Après, il y a eu cette dédicace à l'endroit de Baïdi Haribo. Oui. Il y en a, ceux qui connaissent très bien la musique disent, ben non, il faudrait qu'il continue. Pourquoi dédier le morceau à quelqu'un alors que c'était mélodique bien parti? Est-ce que tu as eu ces murmures-là? Oui, j'ai su les murmures-là. Moi, je suis un chanteur, tu vois, je ne sais pas trop parler, tu vois. Mm-hmm. Donc, quand j'écoute les murmures comme ça, bon, mm-hmm. sur les plateaux comme ça, je peux les répondre parce mm-hmm. que. Et Baïdi, c'est une personnalité qui, tu vois, qui mérite d'être là, mm-hmm. parce que c'est un grand mécénat pour la culture guinéenne, mm-hmm. pour la jeunesse guinéenne, pour pourquoi pas africain. Mm-hmm. Tu vois, donc il mérite d'être chanté. D'accord. Oumu Magaroma, en sous-sous, ça c'est toi. Oui, hein? Oui, mais oui. Après, Baïdi est venu. Donc, on sait plus. Et mon démagar, c'est toi ou bien c'est Baïdi? Non, moi, c'est Magar. Il s'en sort bien. D'accord. Non, c'est vrai. Nous, quand on écoute la chanson, on dit Oumu Magaroma, après Baïdi est venu. Donc, dans nos têtes, c'était mélangé. On dit, ah, c'est Ali chanson ou bien c'est Baïdi? Mais finalement, il y a eu deux versions. Parce que quand on est dans une période comme ça, ouais. et puis dans le boulot, toi, tu travailles à l'ombre, mmh. et puis. Les jours que tu exposes, ça va ouais. travailler beaucoup de têtes. Mais tu sais, on ne mérite pas d'avoir peur. Ouais. Parce que quand on a peur, on ne peut pas soulager les proches. Je suis d'accord, on ne peut même pas avancer. Voilà, quand on a peur. Alors, Baïdi, pour la première fois qu'il a écouté le morceau, la chanson, quel était son état d'âme, quelle était l'émotion, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai vu une vidéo, c'était au Palais du Peuple. Je ne sais pas si c'était la première fois qu'il écoutait, mais ce jour-là, il était vraiment ému, il a fondu en larmes. Oui. Pour la première fois qu'il a écouté, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la même chose, l'émotion était même, bon, tu vois, il n'a pas arrêté à couler les larmes. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché. Mm-hmm. Et moi, ça me fait plaisir parce que ce que les gens ne connaissent pas, nous, les espoirs de Corinti. Quand le blanc qui nous a organisé notre tournée, quand il est venu en Guinée, d'accord. et donc il a perdu son passeport, il a eu des difficultés pour se retourner, donc c'est Baïdi qui nous a soutenus jusqu'à le monsieur a pu se retourner, d'accord. aller préparer les tournées, puis, et quand on était prêt de voyager, il a assisté pour les biens. D'accord. Tu vois, donc vraiment c'est quelqu'un à remercier. Ouais. C'est pour être reconnaissant. C'est quand même papa pour vous. Voilà, c'est quand même papa pour vous. C'est vrai, récemment, nous étions tous ensemble, c'était à Bokeh, quand Espace Kakandi avait organisé. Oui. Donc nous étions, on était dans votre loge. Après, c'est vrai qu'il y avait trop de critiques autour de la musique guinéenne. Les gens disaient que non, il n'y a pas trop d'instruments guinéens dans la chanson. Mais tu m'as dit, Salim, écoute, si tu as bien écouté la chanson, Sentiment, c'est du tongolong. Oui. Hein, y a, c'est du tongolong dedans. Dans les jours d'aujourd'hui, il y a la mondialisation, le monde est évolué, donc et même les instruments traditionnels sont beaucoup évolués parce que quand ils rentrent dans les logiciels comme Logic Pro, il y en a assez. Ouais. Il y a plein de trucs traditionnels qui sont dans les ordinateurs pour nous aider de bien faire le boulot, quoi, tu vois, qui va vous aider à bien accorder. Mmh. Donc, pour moi, tout ce que moi je fais, c'est traditionnel. Quoi. D'accord. Même si vous allez rajouter quelques modernes, mais ça reste traditionnel. Alors, la façon de faire quand tu travailles avec le groupe Les Espoirs de Corinti, avec les instruments en live traditionnels, et cette autre façon de faire avec les logiciels traditionnels qui vous accompagnent, qui t'accompagnent, disons-le comme ça, qu'est-ce que tu préfères le plus? Est-ce que la façon traditionnelle avec le groupe ou la façon que tu le fais maintenant? Oui, la façon traditionnelle du groupe, c'est... Encore beaucoup plus mieux? Oui, encore beaucoup plus mieux. Mais la sollicitation du marché voudrait que... La sollicitation du marché, voilà. Ouais. Je préfère de métisser. D'accord. Parce que tout le monde est en train de métisser. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas
je ne peux pas rester sans me mettre à jour. À jour, voilà. D'accord. C'est une mise à jour. C'est d'en faire des mises à jour. Donc, il faut se mettre à jour. Non, on se comprend très bien. C'est vrai qu'à un certain moment, il faut garder les pieds sur terre, mais il faut ouvrir les ailes pour les autres aujourd'hui. Oui. Donc, mesdames et messieurs, toujours dans Sonorité Guinéenne, ici, donc vous l'avez compris, nous sommes dans la salle Feu Momo Wandel au Centre culturel franco-guinéen. Donc, c'est le Centre culturel franco-guinéen qui nous reçoit pour la réalisation de cette émission avec Ali Sanson, comme je le disais, artiste confirmé de la musique guinéenne. Alors, Ali Sanson, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de Corona, on a parlé de l'évolution de la musique guinéenne, mais est-ce que je peux me poser cette question aujourd'hui? Parce que les rumeurs ont tourné. Nous avons l'occasion de t'avoir aujourd'hui sur ce grand plateau et dans cette grande émission, de parler de toi. Alors, les rumeurs ont tourné comme quoi les espoirs de Corenti, c'est fini, c'est out, c'est croix. Chacun évolue de son côté. Est-ce que vous confirmez la chose ou bien, comme je le dis, c'est juste des rumeurs? Non, c'est juste des rumeurs, mais je respecte les rumeurs parce que, tu sais, un groupe comme les espoirs de Corenti, quand... Et les fans nous voient comme ça, il y a un peu de dispersion. Mmh. Ils vont avoir peur parce qu'ils aiment le groupe. D'accord. Tu vois, et du coup, mais pour les rassurer, je vais leur dire que le groupe est bel et bien là. Parce que tout le monde sait que depuis 2007, nous, on a commencé nos tournées internationales. Et du coup... Quand on est parti très jeune, donc nous sommes tous des hommes. Donc quand on a voyagé, on a pris le temps en Europe. Donc il y a les amis qui ont eu leur amour là-bas, qui ont mis des femmes en état de famille. La responsabilité était devenue beaucoup plus grande. Donc, les 14 membres, il y a 8 personnes qui vivent maintenant en Europe. Qui sont restés en Europe, d'accord. Tu vois, donc du coup, c'est pas facile. Tout le monde connaît la vie de l'Europe. Et tout le monde sait que quand Bouba était là, on a fait un featuring, tu vois, pour dire à les gens, on est là. Et puis quand Machete était... Là-dessus, moi, je peux être un témoin oculaire parce que j'étais vu travailler avec Bouba. Voilà. Donc, et du coup, sur ton album, aussi. Il y a eu des aides. Normalement, il était question qu'Ali Sanson fasse son album et que Machete fera un album, Bouba également un autre album. Oui. Après, le groupe allait se reconstituer pour faire un album de légende. Légende, qui normalement devrait venir. Voilà. Alors, la question qui suit, où nous en sommes aujourd'hui avec l'album Légende? C'est déjà en travaux. D'accord. Parce qu'on a fait quelques extraits. Et donc, on attend qu'on soit vraiment là. Quoi. Parce que quand on dit Espoir de Corentin, on a besoin d'autres musiciens. Mais il y a nos musiciens qui sont là. C'est des gros moyens. Voilà, c'est des gros moyens. Quoi. Tu vois, tu ne peux pas dire à Kanyakoura. Comme ça... De tout laisser revenir. De tout laisser... Et les autres aussi, de tout laisser revenir. Voilà, aussi. De tout laisser devenir. Parce qu'il faut un bon budget pour qu'il vienne. Il sait que je suis là pour un mois, pour deux mois. Et bien travailler, il ne peut pas laisser sa famille comme ça venir. Voilà. Tu vois. Mais on cherche à gagner le temps. Tu nous promets que l'album sera là. L'album sera là. Légende, ouais. Mesdames et messieurs, Ali Sanson, dans Sonorité Guinéenne, pour vous, le live, c'est maintenant et c'est tout de suite. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Ne
guidé. Bébé, je pense à toi, chérie, pense à moi. A fala mesa na dende vengeli meni, kalu kio ki no masiali. Je vais ton âme. Je me fais guérir, mon bébé. A façon de bouger, volé. Je ne fais que danser, bébé. Je ne fais que rêver, bébé. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité Guinéenne. Yes! Mumagilema, mumagilema, mumagilema.
feyi dunia mana mamba vala ya mitori ina mandala imirita va feyi dunia mana mamba vala ya mitori na la babadi na vala na la babadi rafira 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 na masema Bonne fête. Ça ne fait que démarrer. Hein. Vous êtes chaud? Yes, I. Cent pour cent sonorité guinée. Le tradit monde. Formule Ali Sanson. Standard Junior. Ça standard junior. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité Guinéenne. Est-ce que vous êtes chaud? Yes, I. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alors, je vous écoute.
Ça sera d'argile. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité Guinéenne. Est-ce qu'on va dire Ali Sanson des espoirs de Coranti ou est-ce qu'on va dire Ali Sanson? En tout cas, c'est notre Ali Sanson. Voilà, en live, vous l'avez compris sur ce plateau de Sonorité Guinéenne, téléspectateurs donc, de cette émission. C'est comme ça, vous aimez cette émission. À chaque fois qu'il y a l'occasion, nous vous aidons à rentrer en contact avec vos artistes, avec vos vedettes qui font la promotion de la musique guinéenne, d'où le nom Sonorité Guinéenne. Et ça se passe sur Espace TV, la télévision la plus proche de vous. Le morceau Araharare, hein, c'est un extrait de l'album qui est déjà disponible. C'est le titre éponyme d'ailleurs, Araharare. Pourquoi Araharare? Pour l'album, mais aussi pour le nom de votre structure.
Bon, à la Galari, tout le monde sait, en soussou, ça veut dire tranquille. Ouais. C'est, non, à la Galari, ça, c'est le soussou. À la Galari, ça, c'est en soussou. Maintenant, en français, ça veut dire tranquille, stable, au calme, quoi. Au calme. OK. Tranquille, au calme. Voilà. Donc, est-ce que normalement, la fille, il a galari, il a position, il a faible, il a tranquille. Bon, quand même, pour avoir la paix du cœur, voilà. Ça va. Il faut être tranquille, il faut y aller à la quoi. Tranquille. Voilà. OK. Alors, Alice Sanson, on a remarqué pas trop de featuring avec les artistes. Oui. Est-ce que c'est un choix ou bien on se dit, je suis dans mon petit coin, peut-être deux ou trois featuring avec les gens? Ou bien ça vient du management, de bureau qui se dit non, mon artiste reste beaucoup plus concentré sur sa carrière au lieu de donner faire des featuring avec les gens. Non, je suis concentré sur mon carrière, mais souvent ceux qui remarquent, je fais featuring avec des artistes en herbe d'abord. D'accord. Tu vois, pour les booster un peu depuis mon retour. De la France. De la France, et depuis que je suis rentré, je fais de la featuring avec des artistes en herbe. En herbe, ouais. Sur mon album prochain, on a ciblé quelques artistes que je vais faire featuring. D'accord. Mais ça, c'est à huis clos. À huis clos. Donc ça arrive quand même. Hein? Ouais, ça arrive quand même. Donc, du coup, ça va être avec tes amis vedettes. Voilà, les avec vedettes, mes amis vedettes, guinéennes ou des étrangers. D'accord. On a vu quand même la trace avec sur le jeune Omar Leblanc. Oui. Voilà, un enfant que tu as épaulé, mais qui aujourd'hui, également, qui a commencé à sortir ses griffes. Hein? Ouais, ouais, ouais. Et là, actuellement, je crois, à Bokeh, normalement. Ouais, donc ouais, voilà, c'était pour la fête. Voilà. D'accord. Donc ça c'est Ali Sanson, ça c'est Aragarari, Prod, ça c'est le groupe standard, oui. Le Kader, oui. Voilà, groupe standard junior de Kader. Oui, le groupe standard junior de Kader, c'est les jeunes qui travaillent beaucoup, ouais. qui veulent vraiment mettre la sonorité guinéenne. Ah, voilà. Bon, j'ai du respect pour le groupe, mais pas pour Kader. Oui, c'est ma petite. Bon, on va respecter Kéden Souda. Kéden Nagoroba, vite fait, bien fait. Kéden Souda, rapidement. Hein? Ama Seba, bébé, la prairie. Non, Damari, Ama Seba. Comme tu n'as pas respect pour moi, hein? Je ne peux pas. D'abord, affaire sur le bas. Pardon. Chapeau, non, ma chapeau. Ah, blou. Non, chapeau. On a big up, bigob, soyez là. Bon, bigob. Ça, c'est le groupe standard junior de Kader Sila. En une minute. Bien, Kader Sila, pour qu'on a la barre, on vient à une petite rubrique, à l'inontant, face à face. Tu vas comprendre. Une question soit en répondu. Donc, tout de suite, téléspectateurs, vous allez comprendre. Avec Ali Sanson, nous avons trois papiers ici. Trois papiers. Il va choisir entre les trois papiers. Donc, la question, on lui pose la question, il répond. S'il répond bien, on applaudit pour lui. S'il ne répond pas bien, vous avez le choix. Hein? Au nom des soirées. Ali. Bema tobe kelin tungu santambi debe na la mais a follow ma ndibe la la ngama donc comme il na arrive a follow ma ka bon non allons ngai mali téléspectateurs voilà donc c'est une petite rubrique une petite parenthèse pour tester si vous voulez l'intelligence de nos invités. Wow, le réalisateur de l'émission il s'appelle MB Bangoura, il pose la question. Ça, ce n'est même pas une question. Il te demande, il dit, réciter l'alphabet français en commençant par Z jusqu'à A. C'est pas moi, c'est le réalisateur. Il est où? Il s'appelle MB. Bon, il dit, c'est pas moi, hein, la question est là. Il dit, réciter l'alphabet français en commençant par Z jusqu'à A. Normalement, c'est A, B, C. Maintenant, toi, Z, jusqu'à A. Bon, ce n'est pas compliqué, les situations. Bon. Je n'ai pas révisé ça. Allez, la musique. Donc, zéro pour ça. Hein? Donc, on met ça ici. Bon, Gaddafi, on va te confier ça. Deuxième, il reste deux. Gaddafi, voilà, la barandimbe. Il reste deux. Il faut choisir encore. Ok. Donc, je vais t'aider ici aussi. Ah non, ça, il va dire ça.
Ça, elle va dire. Ouah, soyez la ciné. Non, il est en sur film. MB, c'est lui qui réalise, hein, il est là-bas. Il dit, vous parlez en soussou pendant une minute sans prononcer un mot en français. Il t'en a un en soussou, une minute. Il y a une photo qui n'a pas perdu. Ok. Et là, on va la rebondir, Donc c'est parti. Arabardi. Même 30 secondes, on n'a pas fait 30 secondes. Deuxième chance. MB, deuxième chance. Ok. Le réalisateur a deuxième chance. Deuxième chance. Ok. Toujours, hein. Ali, t'as la mourir. T'as la mourir. Et Radim Bayago, t'as la mémoire. T'as la mémoire. Et quel est le héros, Maïd Nadi? Quel est le héros, Maïd Nadi? C'est vacances. Parce que. Aïe! Voilà! 2-0. 2-0. Le dernier. Parce que. Ah, parce que souris. Parce que Nana a quoi. Voilà. Maintenant, troisième. Ah, tu vois, on va pas papier, il est. Ah, non, mais dis-donc, il y a pas de canne. On a fait que le soir. Ouais, encouragé. Samson, Ali. MB Narae. De compter de 100 à 0. Ça devient à faire 1, 2, 3, 4, 5, 0, à faire le 100, 99, 99, jusqu'à 0. En une minute. En une minute. Une minute. Il y a fait le 100, 99, 98, 97, 96, 96, 96, 0. 100. 99. Ouais. 98. Ouais. 97. Marin Belleredé, dans une minute. 96. La musique pour Ali Samson. Bon, ça veut dire qu'on comprend que de la musique, hein. On est vraiment désolé. Merci beaucoup. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Ameni. Amoua qui a sonné le foire des nanas. Amouta d'Aroussa Ferry. Ali Mouhan, you gonna get it, that was a very bad. Ah, the way my grim and ego, Baba. Also, that was a very bad. Ali Mouhan, you gonna get it, that was a very bad. Sorry, Papa. I'm a kid, 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 I'm a
Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Colombia, anima bere.
Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Una manzana.
anubira ina santima ivetoma overdose ina santima ivetoma na maria ma maria la nina virina cosa maria la nina virina e alla una guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Falei bem, pra não me enganar, me errei.
Guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité Guinéenne. Et voilà!
Génial. Merci. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Mesdames et messieurs, c'était donc Ali Sanson pour vous ce soir dans Sonorité guinéenne. Il vous a émerveillé, il vous a prouvé qu'il reste une vedette confirmée de la musique guinéenne. Ali Sanson peut vendre et peut représenter valablement notre pays à travers le monde puisque ses différentes chansons traversent largement nos différentes frontières. Ali Sanson, merci de passer par là. Merci, nous sommes très merci fiers de vous avoir sur Sonorité guinéenne. Prochain rendez-vous, ça va être très très bientôt. Merci beaucoup. Merci de passer par là. À vous tous, téléspectateurs de Sonorité guinéenne, ça n'est pratiquement terminé pour ce nouveau numéro de Sonorité guinéenne réalisé ici même dans la salle Feu Momo Wandel avec Ali Sanson. Vous l'avez compris, se prépare pour son deuxième album avec Jaye Music Group. Il reste tout de même le patron donc de Ararara Reprod, Salim Soiré, et toute l'équipe de Sonorité guinéenne vous dit merci. Prochain rendez-vous très très bientôt sur Espace TV dans votre émission Sonorité guinéenne. Le programme continue. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Sonorité guinéenne. Espace TV donne le la à la musique du terroir dans Sonorité guinéenne. Yankadi, Toupoussessé, Kourou, Mandingue. La Guinée dans toute sa diversité, c'est dans Sonorité guinéenne.